Bonjour, internautatrice et internautateur. Ici Gaëlden pour les jeux du Cygne. Et nous retrouvons notre petite colonie. Du coup, j'agrandis mon frigo, même si c'est pas indispensable, si jamais. Alors, si un truc que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les cadavres d'animaux soient amenés au frigo. Plutôt que ici où ils sont susceptibles de pourrir. Putain. Qu'est-ce que la bête, t'es où? Donc voilà, Célestine, il faut que je la re-recrute. Alors elle a zéro de... C'est con, j'aurais pu la convertir en même temps. Broudaf va me convertir. On avait dit papillote. Enfin, papillote. Allez, l'hôtel, ça va être bon. Voilà, Eclipse pour fêter ça. Grand hôtel. Je vais faire des exécutions publiques. Rien que ça. Ah, je pourrais peut-être faire un discours du chef. Chef Exochrome, est-ce qu'Onyx nous ferait pas un petit discours demain matin pour essayer de remonter le moral des troupes? Et là, il faudrait quand même que je lui dise. Alors, j'ai plein de calcaire maintenant, donc ça c'est très bien. Tu vas me faire pavement en calcaire. Non, toc, pavement en calcaire. Énorme stèle, tu vas aussi me les faire en calcaire du coup. Hein. Alors ça fait 500, il va m'en falloir un peu plus du calcaire, mais bon. Hop, par contre, on va faire des murs. Non, on va faire des murs en... J'ai pas mal de marbre. Murs en marbre. Porte en marbre aussi. Et par contre, ouais, les tables, on va les faire en bois. Je pense que je les garderai pas ad vitam aeternam ces tables. C'est un tombeau, c'est marrant qui considère ça comme un tombeau. Pourtant, il n'y a pas de stèle ou je ne sais quoi. Putain, mais c'est pas possible, sérieux. Ah, mais merde, quand ça veut pas, Toshiro. Ah non, là c'est carrément, c'est l'attaque au corps à corps. Non, annule. Dynamite. Non! Putain. Waouh, la vache. Capturer Célestine. Me libérer la deuxième là. Putain. Oh non, il lui a creusé la jambe. Bon, ok. C'était un peu violent. C'était un peu violent, le marin. Putain. Pourquoi tu lui déshabillais? Soigner?
Et un petit groupe de mécanoïdes, formidable. C'est... Oh là là là, qu'est-ce qu'ils ont? Contrôle un météo brouillard. Avec une tourelle inferno. Deux lanciers. Le brouillard, on connaît. Hein, mais... Activateur de compte à rebours. Bon, c'est pas le groupe le plus chiant possible. D'autant plus, je vais pouvoir les... Je vais pouvoir les attaquer depuis ici. Oh là là, mais quand ça veut pas. Multi-analyseur, formidable. Bon bah tu vas me chercher les prothèses, hein. C'est le premier, la première qui en a vraiment besoin. Plutôt de la chance. C'est non, c'est dans divers le multi-analyseur. Ce qui est totalement pas logique, mais c'est ainsi. Hop. Je vais me faire là deux fois que je... Comme ça, je pourrais faire éventuellement un troisième. Attends, si j'en réinstalle un là... Raté. Faut que j'enlève ça parce que j'y vois rien sinon. Ouais, je pourrais le mettre... Donc, multi-analyseur, je vais le caler là. Hop. Et il faut que je refasse une porte du coup. Couillonne! Bordel. Un compresseur neuronal. Ah, hurlement de l'anima moins 6. Ah, ça dure combien de temps ça? Une tête de quand l'arbre est mort, 1,6 jours. Non mais il faut se rhabiller. Ah merde. Du coup elle a voile P. Oh chier. Je voulais pas la déshabiller. Chier. Merdouille. Alors, bon, ça s'est amélioré. Tac. Tac. Hop. Là, je vais agrandir un peu la zone. Plant de coton est mort d'un empoisonnement. Je sais vraiment pas ce qui cause cet empoisonnement. Mystère et boule de gomme. Donc ici, quand tu auras... Je veux que tu me mettes en priorité importante. Attends, sauf que là, tu es en priorité importante déjà. Une priorité haute. Quand tu as des cadavres frais d'animaux. Alors pas les insectes, ça j'en veux pas. Allez, damnamitsu, psychotique. Tout va bien. Damnamit, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, avec ton gros marteau, ça va être une bonne idée ça. Ça va être très 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 bien. Bim! Allez! Et vas-y, que je te défonce un bras. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Tu veux continuer à te lui taper dessus? Ah oui, j'avais dit de faire un discours du chef. T'es Wardarine.
Et je l'ai pas fait, le discours du chef. Non, c'est bon. Arrêtez de lui taper dessus, lui. Ok, tu vas t'énerver ensuite. Allez, sur le prisonnier, t'as raison. C'est ça qui est bon. Onyx va sauver Mangazor. Bon, on va attendre qu'elle se soit calmée, de toute façon. Bim, allez, Jaune a été tué. Ah, c'est toujours pas fini, t'en as pas marre. Non! Putain de merde! Défonce lui la tronche. Hein. Casse-toi! Assemblage de composants pour ça j'ai besoin de multi-analyseur. Putain mais c'est pas vrai. Tout va très bien, madame la marquise. Tu vas me défoncer Onyx, c'est formidable. Quelle bonne idée d'avoir donné ce marteau de Zeus à Damnamite. Merci Damned. Ouh! Bordel. Allez, va me secouer Papillote. Va me secouer Damnamite. Et puis, toi, je vais pas te mettre. Là, je vais te définir en lit médical et je vais te réinstaller ici. Postlevette. Tu t'en occupes. Des visiteurs, eh ben, ils vont voir que j'ai une colonie qui fonctionne du feu de Dieu. Ils sont où les visiteurs? Ils n'allaient pas me déclencher. Non, c'est bon, ils sont là. Hop. Bon. Plan de pommes de terre est mort dans l'empoisonnement, je sais toujours pas ce que c'est. Hop. Onyx, va te reposer s'il te plaît. Ici. Allez, j'ai mes deux cuisiniers du coup qui sont... Oh putain, impossible. Ils sont combien à être enragés là? Allez. 1, 2, 3, 4. Bon bah on va supposer que nos pièges vont faire l'affaire. Hein. C'est ce qu'on va se dire. Hop, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Mildiou, allez! Wouhou! C'est elle qui doit couper toutes ses patates. Putain, quand ça veut pas. Zikino, t'es agriculteur, bof. Ouais, mais tu vas quand même le faire. Hop. Toshiro, non, toi t'es vraiment trop nul. Là, par contre. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut faire un peu d'agriculture dans ceux qui sont en état fermier, Boudaf, Tupions, Ardarine,
Oudaf va aider. Ok. Projet de recherche nécessaire. Ah bah oui, c'est du coup. Assemblage de composants, puisque j'ai maintenant mon multi-analyseur. Ah oui, du coup, j'ai plus de bouffe. Parce que j'ai plus personne qui me fait de la bouffe. Zikino, tu vas arrêter de faire ma recherche. Et Louis, tu vas arrêter de faire l'artisan. Vous êtes nul, mais vous allez quand même le faire. Mais non, tu vas pas donner du cerf, putain. Tu vas pas donner du cerf entier à Papillote, c'est pas possible. On va me préparer des plats plutôt maintenant. Bah, t'en as des matériaux. Ah non. Non. Mais non. Non, t'es pas psychotique. Non. Non, arrêtez. Va préparer de la bouffe, toi, plutôt. Toi, tu vas. Qu'est-ce qui... Ah, ils ont la dalle, ils ont plus de bouffe, forcément. C'est juste atroce. C'est vraiment l'épisode de la loose complète, quoi. J'ai rien qui va. J'ai rien qui va. Ils sont tous en PLS. J'ai pas été blessé. Va me le soigner. Ouh, j'ai même pas fait de blessure à long terme. Ah oui, en plus, j'ai plus de bouffe, en fait. J'ai genre... oui, comme j'ai... Putain. Tu vas me récolter ce que tu peux, Coco, hein, de toute façon. En fait, j'ai plus d'alliés... j'ai Si, j'ai plus beaucoup d'aliments crus. Bah, tu vas les chasser, hein, merde. Pas les curés, ça rapporte pas grand-chose. Va me chasser du buffalo, va me chasser de la jument, et puis... Allez me faire de la bouffe, quoi, merde. Onyx, il faut qu'elle bouffe aussi quand même, sinon elle va également tomber en PLS. Non, non, va manger, fille. Consommer plat simple. T'as zéro de bouffe. Tu vas aussi me faire une crise de nerfs, sinon. Puis ensuite, tu vas te coucher. Tu peux y nourrir Papillote. Inanition, qu'est-ce qu'il y a en inanition? Mangazor et Dynamite. Non, tu vas pas jouer au fer à cheval. Occupé par mon gazor.
Non. Nourrir. Et ensuite, nourrir Belnamite. Et Zikino, bah fais-moi de la bouffe. Et Onyx, ensuite, au dodo. Et une petite infection pour Aigle. C'est Bourdeuf qui s'en occupe. Là, il essaie de le recruter. Il le soigne ensuite, très bien. Darine, toi aussi, t'es en compresseur. Maintenant, ils veulent tous des compresseurs. Non, vraiment. Hop. Chasse au piège. Et qu'est-ce que tu veux me foutre? Le boomalope qui est juste à côté de mon truc qui est déjà abîmé. Oh putain, j'aime pas ça. Ardarine. Répare ça en toute urgence. Ah mais non! C'est pas possible! Putain! Mais c'est pas possible, sérieux! Alors, tant qu'il est là, tu vas me le chasser sans t'approcher. Hop. Voilà. Tu vas me faire en sorte. Voilà. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est parfaitement bien. Il y en a un qui se fait tirer dessus là. Pousse le vet. Pourquoi tu... Oh mais non! Bordel! Ah putain, il y a les voyageurs. Bon. Ok. Bon. Et ben ça c'est fait. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais ça veut dire que j'ai quand même un lancier qu'il faut que je... me fasse, ça tombe bien, je suis parfaitement apte à combattre en ce moment. N'est-ce pas? Un mec qui a une excellente arme, en tout cas bien meilleur que moi. Broudaf, tac, Moï, attaqué au corps à corps, Toshiro, tac, Zikino, tac. Louris, t'es où? T'es loin. Surveille les cibles. Tac. Pose le head, va te planquer au moins derrière un arbre. Avant de te faire tirer dessus. Ouf. Même là. Hop. Likino, tu vas te planquer correctement. Toi, tu vas te foutre. Non, là, ça ne te protégera pas. Si, peut-être. Et ben voilà, problème réglé. Formidable, sans blesser, incroyable. Maintenant, je vais juste avoir les tourelles dont il faudra que je m'occupe. Mais ce sera quand même nettement plus simple. Ouais, ça me facilite grandement les choses en fait. Bon, j'ai de la bouffe. Tout
Shiro, un moment, je veux bien que tu me fasses. Putain, psychotique. Célestine est totalement guérie, toi. Guérie. Si j'ai personne pour aller la recruter, ça sert pas à grand chose. Je vais quand même essayer de lui apporter des vêtements, ça lui enlèvera un malus de Sikino. Tu vas aller me prendre. Tu vas ramasser. Tu vas me ramasser ça. Tu vas me ramasser ça. Et ça. Et tu vas aller ici. Et en étant ici, tu vas laisser tomber tout ça. Un colon a besoin de soins, Lori qui se fait attaquer par quoi? Ah merde! Eh oui, c'est peut-être aussi mes chasseurs qui ont... Ah fuck! Bon, il va falloir que je règle ce problème et rapidement. Voilà, c'est bon, Célestine s'est habillée. Du coup, non mais Loury, qu'est-ce que tu me fais toi? T'es en train de saigner à mort. Papillote. Tiens, convertir papillote. Ah, si. Dénonce majeure. Capsule de cargo. Qu'est-ce que tu m'apportes? Des œufs. Je peux pas dire que j'en ai vraiment besoin, mais ça me fera de la bouffe. Ah, la résistance de Aigle est passée à zéro. Ça devrait être bon, mais c'est juste. Deux minutes. Hop, hop, hop. J'aime pas pouvoir passer par là. Non, 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 non. Va pas par là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui t'intéresse? Ah oui, c'est les chevaux. Bon, on va arrêter de chasser le cheval. De toute façon, il va mourir tout seul. Ouslevet, tu vas passer par là pour aller chercher le cheval.
Oui, mais je veux pas que tu passes là. C'est une très mauvaise idée. Ouais, en fait, je suis obligé de te l'interdire, en fait, pour l'instant. Du je vais interdire ce cheval. Hop. Mais non, je... Putain. Condomime. Barrez-vous, condomime! Comme disait Alain Chabat. Crise de boulimie. Ça tombe bien, j'ai plein de bouffe. Ah bah oui! C'est une excellente idée de passer ici. C'est le meilleur endroit possible. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ouf, elle est passée sans heure. Ardari n'est plus dans l'état psychotique, c'est formidable. Hôtel Arki. Eh, pourquoi c'est pas respecté? Qu'est-ce qu'il faut Ah, il faut 4 colonnes. Ok. Eh ben, faisons des colonnes. Faisons des colonnes. C'est le genre de petit détail que je n'avais pas. Oui, du coup, j'ai plus du tout de calcaire. Et vu l'état de mes troupes, c'est pas tout de suite que je vais en avoir. Ça, pourquoi je t'ai pas mis là, toi? Je vais faire des colonnes en bois et puis je les remplacerai plus tard. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Tac. Et tac. Ouais, clairement, à mon avis, c'est l'arbre anima qui pourrit toutes mes... Je regarderai sur l'outil. De toute façon, je vais arrêter cet épisode assez rapidement. C'est vraiment l'épisode de la main. Un camp de Desperados. Ouais. Fête d'Arkin. Formidable. Tiens, tu sais quoi? Je vais donner la priorité au post-levette. Non, constructeur. Tokiro. Voilà, tu vas me faire mes 4 colonnes. Je vais faire un discours d'orateur. Je vais faire une teuf ensuite et ça augmentera un peu. Et un Nuffalo qui se venge. Roudaf, t'es très mal placé. Barre-toi. Non, c'est pas toi que je voulais. Vite les Nuffalo. C'est bon. Hop. Si jamais il passe. C'est bon, l'hôtel d'Arkim est-il maintenant respecté? Besoin. Wouhou! Formidable. C'est juste qu'il a fait les trucs. Ah oui, comme il a fait les trucs à pointe. Parce que il est sur une religion, une idéologie, pardon. Il demande de faire des pointes. Bon, okay. C'est bon. On peut annuler. Non mais pour Daf, tout cela est-il vraiment raisonnable? Ouh, joli tir.
Ah, Aigle a été recruté. Bon. Très bien. Bon, bah, tu veux me transporter peut-être? Alors, Aigle a été recruté. Aigle est tout cassé, forcément. Eh ben, je vais arrêter l'épisode. Je vais lui attribuer ses priorités. Il est où, Aigle? Comment est-ce que je vais le renommer? Ah, qui est le suivant sur ma liste? Moussarazé. Moussarazé. Tu t'appelles désormais Moussarazé. Ça, comme Malvinette n'est plus parmi nous. Hop, Moussarazé. Et Moussarazé, c'est un fermier soldat. Il faut que je change son titre. Fermier soldat. Donc, comme tu es un soldat, tu vas avoir comme vêtements des vêtements de soldat. Tu vas avoir les mêmes priorités que les autres. Moussarazé est ici. Oui, d'accord, merci. Hop. Achevé, geôlier 2. Cuisinier actuellement. Je vais te laisser à 2. Constructeur, je vais te laisser à 2 aussi. Fermier. Bon, tu vas faire un peu de tout. J'ai plus besoin de vrai spécialiste. Tu vas avoir besoin d'une arme à distance. Hop, par contre pour le reste, ça je vais te mettre comme ça, tout ça tu le feras pas du tout. Qu'est-ce que je vais te donner comme arme? T'es bon en tir, il me semble. T'es meilleur en mêlée qu'en tir. Mais je préfère avoir plus de. Hop. Tireur équipé d'un fusil à pompe automatique. Ensuite, eh bien, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, il m'a pas trop plu, mais bon, c'est ainsi. c'est quand même vraiment tout pourri. J'ai rarement eu autant de problèmes de morale, mais j'ai jamais joué avec l'idéologie. Donc, sur mon autre partie solo, c'est plus soft, parce que j'ai réussi à recruter, enfin à convertir plus facilement. Là, c'est vrai que je galère quand même correctement. Allez, bisous tout le monde, à bientôt.